Ben, salut! Eh, tu m'entends? Allô, je suis en train de te parler! Laisse ton téléphone pendant un moment! Eh, rends-le-moi! Mamie, salut! Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi voir! Oh, non, je suis en train de tricoter! Ben, je te rattraperai de toute façon! Chef Tina, qu'est-ce que tu fais? Qui est là? Je veux goûter ce que t'as cuisiné! Stop! J'ai pas encore terminé! Oh, tout le monde est là, je suis affamée, il est donc temps que le challenge commence! Prenez place maintenant, c'est parti! Et nous allons commencer par une gaufre! J'espère que vous pouvez le faire! Oh, c'est facile, j'ai tellement de gaufres différentes dans ma vie que j'ai la recette dans ma tête depuis toujours! Faut commencer par un œuf. Oh, et pourquoi comme ça, l'œuf doit être manipulé avec soin? Regardez et apprenez! Mais quelle différence cela fait-il? L'essentiel de tout faire avec amour! Et j'ai beaucoup d'amour! Je prépare les meilleurs gaufres pour ma petite fille Paige! Tes gaufres sont n'importe quoi. Ma gaufre, par contre, sera brillante et très jolie. Hein. Voilà, juste comme ça. Oh, c'est quoi le problème? Je fais attention au goût et pas à l'apparence. Et ma petite fille aussi. 1, 2, et voilà, mes gaufres sont prêtes. Ouais. Oh, déjà prêtes? Je crois que je suis un peu en retard. J'ai même pas encore commencé. Qui a besoin de toute cette farine et tout ce lait de toute façon? Pourquoi pas faire des gaufres avec Skittles et des M&M's? Oups, il semble que des bonbons ne sont pas faits pour ça. Je suppose que je vais devoir faire des gaufres standards. Mamie, comment tu dis qu'il faut faire? Il faut juste se débarrasser de ces gaufres sucrées ratées d'une manière ou d'une autre. En fait, ouais, je veux de la farine, un œuf, comme ça. Pourquoi pas? Ouais, je fais juste comme ça. Du chocolat? C'est bon ça! Ouais, peut-être ça rendra mes gaufres chocolatées aussi! Oh, heureusement que j'ai pas utilisé tous les bonbons Skittles! Je vais les utiliser pour décorer ma gaufre! Génial! Tada! Moi aussi je suis prête! Je vais décorer mes gaufres avec de la crème fouettée et des pailles colorées! Mamie, sois jalouse en silence! Mais de quoi je dois être jalouse? Je vais saupoudrer mes gaufres de miel, car je sais qu'est-ce que Paige préfère. Ouais, juste comme ça. Beaucoup de miel. C'est génial. Alors, ma petite fille, t'es prête à choisir le gagnant? Plus précisément, admettre que ce sont mes gaufres qui sont les plus savoureuses ici. Hein? Ah bon, je vais commencer par les gaufres de Ben. Ouais, j'aime beaucoup le chocolat et les Skittles. Miam, je passe à autre chose. C'est maintenant le tour de Tina. Les gaufres du chef. Ouais, ça a l'air tellement bon. Génial, magnifique. Alors, il est temps d'essayer les gaufres de grand-mère. Elle se souvient que c'est moi qui aime le plus les gaufres au miel. Oh oui, c'est ça le goût. Ce sont les gaufres les plus délicieuses que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Mamie, t'as dépassé toutes mes attentes. Ah ouais, je te l'avais dit. J'ai toujours su que je gagnerais. Préparez pour moi cette fois-ci ce poulet-là, comme celui de KFC. Du poulet? Ouais, j'ai une idée. Je sais pas vraiment ce que c'est KFC, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais juste mettre un peu d'huile et je vais cuire tout le poulet au four. Ouais, comme ça. Regardez. Et on danse. Et on danse. Il s'avère que le poulet cru a l'air très drôle. Je peux même jouer avec. Oh, vous êtes bizarre, vous. Vous devez faire une panure pour le poulet KFC. Il faut un œuf. Maintenant, on fouette l'œuf. Après, on prend la chapelure qui va être faite avec du pain. Après, des épices. Ouais, on les met juste comme ça. Un peu de sel, du poivre et on mélange. Ouais, maintenant, il faut tremper un morceau de poulet, par exemple une cuisse, dans l'œuf et puis dans la chapelure. Voilà, comme ça. Ensuite, il suffit de faire cuire le poulet dans la poêle.
Ouais, c'est trop facile. Le vrai poulet est servi avec un plat d'accompagnement. Il doit être cuit dans un four et pas dans une poêle. Voilà. Et pendant que je t'attends, j'aurai le temps de faire un peu de tricot. Ouais, comme ça. J'aime beaucoup de faire ça. Tada, voilà mon pull. Oh, le poulet d'ailleurs est en route lui aussi. Il est temps de le porter à sa place. Non, oh, j'adore l'odeur. Oh, le poulet KFC peut être cuit sur le feu. Pour cela, je vais verser du liquide d'allumage dessus et mettre le feu. Oh, le feu! Il faut l'éteindre tout de suite! Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'était pas un feu, c'était la façon dont le poulet était cuit! Non, mais n'importe quoi! Oh, je le savais pas. Ben, pourquoi tu fais des bêtises, toi? Tina et moi, c'est fini pour nous! Déjà, je dois faire quelque chose! Je vais pas cuisiner, bien sûr! Je vais donc devoir commander du vrai poulet KFC! Ouais, comme ça! Paige, je l'aime vraiment! C'est le moment de choisir le gagnant! Comme tout semble appétissant! Sauf pour la version de Tina! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça a pas l'air appétissant! Alors je mangerai pas ça! Mais je vais certainement essayer le poulet de mamie! Ouais! C'est bon, vraiment! Mais ça ne ressemble pas du tout à du poulet KFC! Voyons ce que Ben a préparé! Ouais, c'est le même poulet que celui du KFC! Comment t'as fait pour qu'il soit si bon et si semblable? Ben, t'as définitivement gagné dans ce tour! Ouais, génial! Parfait! Moi? Ouais! Je sais ce que Paige préfère! Alors, premièrement, je veux ce gâteau-là! Comme sur le dessin! Oui, on va le faire! Le gâteau? Bien sûr, je vais le faire! Désolée. Oui, le gâteau, je vais le faire. Je vais ajouter de la farine. Quelques œufs. Et bien sûr, je vais verser le lait. Et maintenant, je vais tout bien remuer. Oh, tellement beau. C'est vrai, Maggie. Non, mais pourquoi faire la pâte quand il y a des trucs déjà faits? Regarde. Non, mais c'est pas ce qu'il faut. Oh, du commerce, non, n'importe quoi. D'accord, peu importe. Pendant ce temps, mon batteur professionnel va me fouetter la pâte. Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, je le divise en 5 parts égales. Et maintenant, il faut que j'ajoute des couleurs. Je vais mettre mes gants et donner un bon coup à pied dans la pâte. Oh oui! Maintenant, chaque gâteau sera unique. Bien sûr, mon gâteau sera unique aussi. Surtout avec du beurre de cacahuète. Je vais l'étaler sur le premier gâteau, sur la première couche, juste comme ça. Puis sur le deuxième. Après, je vais goûter. Comme c'est bon, ça! Après, je vais l'étaler sur la troisième couche. Et Sophie, je n'ai rien remarqué. J'ai tellement envie de lécher. Oui, tellement bon. Maggie, qu'est-ce que tu fais? Non, tu dois pas faire comme ça. Regarde comment fait mamie. Oh, la confiture est fait maison. Je vais verser tout sur mon gâteau. Regarde comme c'est beau. Et maintenant, un peu de pâte pour la décoration. Oh, voilà. Juste ce qu'il faut. Génial. Ouais, j'adore l'odeur. Maintenant, il faut mettre tout ça au four. Comme ça. Vas-y, reste ici. Et mamie va bien dormir. Voilà mes gâteaux. Il est temps de les assembler. Je vais mettre ma crème colorée sur chaque couche. Les couleurs seront sorties à celles des gâteaux. Donc, il y a la crème à l'extérieur. Maintenant, il faut tout laisser avec une spatule spéciale. Oh oui, ce gâteau sera la perfection même. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, je vais faire un arc-en-ciel sucré.
Je vais mettre sur le gâteau. Alors, il y a un arc-en-ciel, il y a une licorne. Et j'aurai des nuages et des gueules sur les côtés. Je crois que je me suis surpassée. C'est la perfection. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, voilà le gâteau. Il est temps de le faire sortir. Oh, j'adore l'odeur. Il est prêt. Il est temps de le donner à Sophie. Poussez-vous. Mamie est là. Oh non! Ils ont de si beaux gâteaux et moi, j'en ai un vraiment moche. J'ai une idée. Je vais le décorer avec des bonbons. Ce sont des M&M's, c'est beaucoup mieux. Sophie, serre-toi. Oh waouh, il y a tellement de gâteaux. Par lequel commencer? 1, 2, 3, toi d'abord. Je vais l'essayer. C'est un peu sec. Je peux pas me passer de coca. Oh, désolé, Maggie. Wow, c'est le gâteau aux fraises de ma mamie. Oh, elle est tellement bon. Oh, elle est tellement beau. Mamie, je t'aime. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tellement envie de le goûter. Oh, wow. C'est un arc-en-ciel. Wow, tellement cool. J'adore ce licorne-là. Ouais. Et qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que le gâteau du chef. Oh oui, j'ai tout fait. Maintenant, je veux du pop-corn. Comme au cinéma. Quoi? Ah, oh ouais, du pop-corn. Et bien sûr, je vais le faire. Oh non. Non, mais bien sûr, j'ai besoin des grains de maïs. Et c'est ce que je vais faire. Et ouais, je vais mettre mes grands dedans. Et bien sûr, je vais utiliser l'huile. C'est l'huile d'olive. Je vais mettre tout ici, juste comme ça. Et bien sûr, je vais ajouter du colorant. Ouais, ça va être vraiment unique. Ça ici, ça ici. Et bien sûr, le bleu rouleur à gaz. Ouais. Préparez-vous. Je pense que ça suffit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tellement brillant ce pop-corn. Alors, mamie, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, comme vous voulez. Ouais, n'importe quoi, c'est chef. Pour moi, tout va être naturel. Il suffit de me rattraper les grands avec mon nouveau gadget. C'est fait. Voilà, maintenant un peu de beurre dans la poêle. Ouais, je vais en mettre plus. Bien sûr, le maïs. Et je vais ajouter du sucre. Parce que Sophie adore le sucre, ouais. Et maintenant, je vais bien attendre. Ouais. Je pense que ça marche. J'ai tellement peur de ces bruits. C'est fait. J'adore l'odeur. C'est le temps des haribots. Voilà l'ingrédient secret. Je vais bien les mâcher. Ouais, ça va faire la pâte de marshmallow. Et maintenant, je vais mettre du pop-corn. Je vais bien tout remuer. Et voilà une boule de pop-corn. Ou plutôt 5 boules de couleurs différentes. Alors, il est temps de verser le pop-corn dans un bol. Oh, c'est tellement beau! Oh, Sam, est-ce que c'est du pop-corn, là? Eh, tiens! Eh ben! Non, mais comme des enfants! Bien sûr, moi, j'ai du pop-corn! Cool! Je le mets ici. Et voilà! Juste ce qu'il faut! Qu'est-ce que c'est que ça, cette odeur? Oh non! Quoi? L'odeur? Oh non! Oh, je crois que ça va... Non, par terre! Maggie... Non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? N'importe quoi! C'était du pop-corn! Il faut vite nettoyer tout ça! Est-ce qu'il reste quelque chose? Quoi? Juste un seul truc!
Désolée, Sophie, je crois que t'es au régime aujourd'hui. Waouh, ça fait beaucoup de pop-corn. C'est quoi cette odeur? Bah, qu'est-ce que c'est? C'est un truc, c'est brûlé. Bah. Voilà, ça c'est le vrai pop-corn. Oh, c'est doux ça. Oui, tu sais tout, grand-mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est tire. Ça a l'air super. Ouais, c'est tellement bon. Incroyable. Ce pop-corn mérite vraiment de gagner. Ouais, ouais, un point de plus, je suis le meilleur. Le prochain plat, ce sont les crêpes. Vous allez y arriver? Quoi? Des crêpes, des pancakes, comment les faire? Oh, n'importe quoi. Il faut ajouter 2 œufs au lait. Non mais, je vais tout bien faire. Comme vous le savez. Et bien sûr, un peu de farine. Comme d'habitude, je vais tout fouetter. Je vais fouetter la pâte dans mon batteur professionnel. Je suis sûr que je vais gagner ce tour. Tu t'es rejoué trop tôt, hein? Mon fouet fera aussi bien l'affaire. Je suis capable de remuer la pâte moi-même. Je vais ajouter du lait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la farine, c'est ça. Et les œufs. Tu peux aussi prendre les coques et maintenant tu dois mélanger le tout. C'est pas très compliqué. C'est juste une pâte bizarre. Est-ce que je vais remuer encore un peu? Bon, il est temps de verser la pâte dans la moule. C'est ça. Maintenant, il nous faut de la pâte au chocolat. Je vais l'étaler sur la crêpe et la recouvrir d'une autre. C'est parfait. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je vais ajouter du vert. Voilà. Je vais fouetter comme ça, encore comme ça. Oh oui! N'importe quoi. Regarde comment je peux faire. Mamie, c'est tout. Et ma pâte colorée, je peux bien dessiner avec en plus. Ça va pas être que des pancakes, mais un œuvre d'art. Et maintenant, la touche finale. Et le portrait de Sophie est prêt. Quoi? Non, mais ils ont déjà fini. Et moi, j'ai que la pâte. Bon, je vais juste verser ça sur la poêle. Alors, Sophie, t'as faim? Non, mais arrête. Donc, pourquoi vous avez faim? Non, mais arrête, pousse-toi. Ah, mon compte. Oh, c'est quoi cette odeur? Oh non, mon pancake! C'est brûlé! Tu vas voir! C'est quoi cette odeur? Maggie, qu'est-ce que t'as fait? Oups! Je crois que ma crêpe est prête! Waouh, vous avez fait tellement d'efforts! Et quelle odeur! Attendez une minute! Est-ce que quelque chose a encore brûlé? Bien sûr! C'est une crêpe de Maggie! J'ai peur de regarder tout ça! Oh waouh! Qu'est-ce que c'est toi? Non mais c'est moi! Waouh! Je vais goûter ça. C'est délicieux. Attendez un peu. Ce sont les crêpes de grand-mère. Oh oui. Il y a du chocolat à l'intérieur. C'est comme ça que je les aime. Elles sont si bonnes que je peux pas m'en détacher. Mamie, t'es incroyable. C'est le meilleur plat de tous les temps. Oh, merci Sophie. Prends ça, petite cuisinière. Abonne-toi à Moutidou, alors tu ne manqueras pas les challenges si amusants et intéressants.